sur ma chaîne Vie d'une maman passionnée de diamants. Aujourd'hui, revue de toile. Donc, je suis en face. Je me suis mise toute belle pour l'occasion. Même si j'ai mes cheveux... tu sais, quand on tombe enceinte et qu'on accouche, ben on perd des cheveux. Puis là, ben ils repoussent tranquillement, mais j'ai l'air d'un petit lion. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Revue de toile, j'ai fini la toile Nutcrackers. Ça fait déjà un petit moment, mais j'avais pas pris le temps là, de filmer la revue de la toile. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et puis, bien, sans plus tarder, pas sans plus tarder, mais vous avez vu, comme en introduction, la toile terminée. Mais je vais quand même vous la remontrer maintenant. Donc, je vous tourne de bord et je vous montre la toile terminée. Donc, la voici. Voilà, voilà. Elle est magnifique. Je l'adore. Là, je l'ai comme mis dans un cadre magnétique. C'est la première fois que j'achetais ça. Et puis, à date, ça tient bien. Là, c'est une toile de Noël. Fait que c'est sûr que... Je voulais l'accrocher juste pour mon plaisir là, durant une couple de semaines, mais je pense qu'elle va retourner dans mon portfolio jusqu'à Noël prochain. Si vous voulez, je vous mettrai le lien pour le cadre dans la barre de description. Je l'ai pris chez Amazon. Donc voilà, c'était ma toile Nutcrackers en carré, et je vais en profiter pour vous montrer où étaient situés les abbés là, plus précisément. Donc je vous ça avance là, ça se peut ça bouge pas, je vous tiens dans mes mains. Donc on en avait ici dans sa robe, hein, on les voit là, les blancs, vraiment c'est vraiment plus brillant là. Il y avait un petit peu de bleu ici aussi. Sinon j'avais du abbé. Attendez un peu là, je vais essayer de pas trop vous donner mal au cœur. Dans les yeux du casse-noisette et dans ses yeux à elle, il y a du AB bleu, on le voit. Ensuite, du AB blanc, ben, il y avait du blanc aussi dans ses yeux, là. Mais il y en a aussi comme ici, là, ben, avec mon éclairage, on voit peut-être pas super bien. Mais dans la fenêtre, la neige, il y a du AB blanc. Et puis, dans le sapin, il y en a un petit peu de vert, là. Vous pouvez voir comme les petits... comme ça, là. Ça, c'est du AB vert. Il y en a à quelques endroits. Donc, voilà pour les AB. Il n'y en avait pas des tonnes, mais c'est quand même pas un modèle récent, là, cette toile-là. Et puis moi, je l'avais acheté à sa sortie, donc ça fait quand même un bon moment, je vais vous dire ça tantôt. Ça fait combien de temps que je l'ai acheté. Donc et voilà, je vous reviens de bord, puis on jase du reste. Ok, donc j'ai ma petite liste de trucs à vous dire, parce que vous savez, j'oublie tout le temps tout. Donc, l'endroit où je l'ai acheté, c'est une toile de chez Diamond Art Club, vous ne serez pas surpris. Mais je vous mets aussi le lien là, si vous voulez aussi vous la procurer parce qu'elle est encore disponible. Je ne sais pas si elle est en stock, mais vous pouvez la mettre dans votre liste de souhaits, là, votre wishlist, et puis ben, l'acheter quand elle va redevenir disponible. Donc c'est ça, le lien est dans la barre de description, comme le lien du cadre magnétique que j'ai pris chez Amazon. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau, ça ne sera pas long. Ok, pour la date de début, je n'ai pas de date à vous donner précisément. Parce que c'est une toile que j'ai commencée, en fait j'ai dû la commencer en novembre, là on a fait 2021, j'ai dû la commencer en novembre 2020. Donc, je l'ai faite novembre-décembre 2020. Ensuite, je l'ai rangée. Et puis, je l'ai ressortie là, au mois de novembre 2021 pour la faire pour Noël. Mais bon, j'ai pas le temps, évidemment. Mais je me suis dit, c'est pas vrai que je vais la ranger encore une autre année. Fait que je l'ai terminée. Et je l'ai terminée le 22 février. Donc, ça m'a quand même pris un certain temps là,
pour le faire, mais comme on dit, pas de presse. Hein? Donc, c'est ça. Et puis, pour le temps de réalisation, ben quand j'ai commencé à la faire, je ne calculais pas encore mon temps. Donc, j'ai pas d'heures, de nombre d'heures que ça m'a pris pour la faire à vous donner pour cette toile-ci. Pour ce qui est de la pose des diamants, c'était vraiment plaisant. Pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Sauf que j'ai trouvé quand même les diamants serrés. Ça faisait scrunch scrunch quand que quand je les plaçais, ce qui est toujours très agréable. En tout cas, moi j'adore ça là. Quand ça fait des petits scrunch scrunch, quand que les diamants rentrent, ça fait ça. Pour mes déchets, j'ai pas gardé mes déchets parce qu'encore une fois, quand j'avais commencé, ben j'avais pas ma chaîne YouTube, puis je gardais pas mes déchets, je les jetais au fur et à mesure. Et puis là, je vais vous montrer les diamants qu'il me restait. Donc, il me restait dans toutes les couleurs. Je vais vous montrer ça ici. Tasser ma bouteille d'eau. Donc, ça, ici, c'est les AB. Donc, c'est sûr qu'il en reste... Oups. Il en reste pas des tonnes, là. Mais voilà, donc les noirs, du rouge, du mauve. Les quantités qui en restent pas beaucoup, là, c'est parce que... Il y en avait déjà pas beaucoup. Mais j'ai pas eu peur de manquer de. C'est dur par en avant. De aucune couleur. Sur les 46 couleurs, là, c'est ça. J'ai pas eu peur de manquer de diamants. Là, il y en a resté dans tout. Comme ceci, et c'est ce qui complète les 46 belles couleurs pour cette toile-ci. Ensuite, les AB, je vous les ai déjà montrés tantôt. Et puis, ben, mon appréciation générale, ben, c'est comme les toiles de Diamond en Club. C'était ma première Diamond en Club que j'ai commencé, mais c'est pas la première que j'ai terminée. Mais c'est ça, c'est toujours du gros bonbon. Là, je sais que j'ai eu pour les 310, c'était pas les meilleurs de la terre, mais comme je vous dis, c'était une toile qui est sortie en 2020. Donc moi, je l'avais achetée à l'été 2020. Ça fait quand même presque 2 ans, donc je sais qu'ils ont apporté d'autres belles améliorations là, à toute leur matériel, mais quand même c'était vraiment très plaisant à faire. Donc voilà, sur ce, c'est pas mal ça qui termine ma petite revue pour ma superbe Nutcracker. Je l'adore, je la trouve magnifique. Annaline, ben, c'est une toile de l'artiste Annaline. Mais c'est une artiste que j'adore tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye!